Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Vendredi, vendredi 30, ça vous dirait? À 11h, d'accord. Très bien, c'est noté. Au revoir, madame. Vous me reconnaissez? Attendez, vous n'êtes pas celle qui joue pour une pub pour une carte bancaire, avec un troupeau de moutons. J'en étais sûre. Je vais vous aider. Je suis la mère d'un docteur chez qui vous travaillez. Madame Martignac. Mais oui, c'est évident. N'est-ce pas, c'est étonnant. C'est un traitement que je suis assidûment depuis aujourd'hui. Ah. Vous allez voir, Sophie non plus ne va pas me reconnaître. Oh, maman. On dirait Chris Evert. Oh, on n'exagère pas. Je suis qu'une débutante. Ah, j'ai failli ne pas te reconnaître. Ah, mais ça m'étonne pas. La publicité le disait. Votre propre fille ne vous reconnaîtra pas. Ah bon, quelle publicité? Pour mon traitement au collagène. Ah, tu veux faire des injections? Oui, pour rajeunir. Mais d'ailleurs, regarde mon visage, là. Ça n'a plus rien à voir, hein. Regarde ma peau, là. D'ailleurs, puisque je vois que ça a marché, j'y retourne. Oui, mais attention, hein, pas plus d'une séance par jour. Ah non, là, je fais seulement un petit match, histoire de me mettre en train. Ça ne va pas, madame. Vous voulez que... Oh, ben, Grenelle, je vous avais pas reconnue. Ah, vous non plus. Vous n'avez pas l'air très en forme, hein? Faut dire que reprendre le tennis après si longtemps, c'est pas rien. Oui, 3-7 à rien. Ah. Ben, je me suis bien défendue. Mais la prochaine fois... Oui. Ben, en fait, là, je ferai quand même attention parce que vous n'avez plus vos jambes de 20 ans. Oh, des jambes de 20 ans. Flatteur. Ben, ça vous arrive. Asseyez-vous là. Ben, maman, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La thérapie comprend 3 heures de tennis par jour. Ouais. Injecter, éliminer. C'est leur devise. La devise de qui? Du centre de genothérapie. Du docteur Lapèche. Oh, mais c'est pas de la médecine douce, ça t'aurait dû m'en parler avant. Oh oui, mais toi, l'homéopathie, c'est trop long. À mon âge, on n'a pas le temps de rajeunir au compte-gouttes, hein. Mais ils vous prennent au berceau, parce que vous avez encore de belles années devant vous. Oh, plus de 2 années quand même. Mais vous verriez, mon amie Maria Lindenstrass, elle fait pas son âge, hein. Maria Lindenstrass, la cantatrice, tu la connais? C'est une amie de lycée. Oh. Et on s'est rencontrés par hasard et c'est elle qui m'a donné cette adresse. D'accord. Ça va? Bien sûr. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Le piano de madame Lidenchetras. Quand on parle du loup. Non, mais vous êtes sûr de ne pas faire erreur? Non, c'est bien ici. C'est bien, je vais t'expliquer. Okay. Maria m'a proposé gentiment de venir répéter chez vous. Formidable. Moi qui rêvais d'avoir une cantatrice à la maison. Ah oui. Et puis l'acoustique est bien meilleure ici qu'à Pleyel. Ah oui. Mais elle est à Paris pour un concert exceptionnel et il paraît qu'elle a un mal fou à être tranquille dans son palace, hein. Voyons, est-ce qu'on vous le met? Oh ben ici, pour l'instant, Maria décidera elle-même. Voilà, ça fait, je vais vous ouvrir. Mais ben, je pense qu'on va le mettre là, contre le mur, oui. Hein? Bien. Ouais, on va le mettre. Sûr. On va le mettre ici. Ouais.
Vous savez, elle sera très discrète. Hein. Elle se mettra dans un petit coin, et puis si jamais elle vous dérange, dites-le lui. Bien sûr. Regarde, c'est pour qui, la petite note? Ah, ça dépend, elle a été écrite avec un dièse ou un bémol. Viens à moi, je ferai suivre. C'est là. Au revoir. Ah. Maria n'a pas proposé qu'on paie la location du piano? Ah non? Non. Mais si ça te vexe qu'elle s'en charge? Ah non, 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 pas du tout. Alors là, on n'est pas susceptible, vous savez. Mais encore une question, maman. Oui. Pourquoi elle n'est pas allée répéter chez toi? Oh, bah tu connais ton père. Dès qu'on lui parle de Beethoven, il fait la sourde oreille. Alors... Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle. Bravo, t'aurais pu concurrencer Piaf, hein? Oh, tout de même pas. Ah, si. Mais Vanessa Paradis, peut-être. Ça devrait rappeler des souvenirs, cette chanson, non? Oh, pas du tout. Moi, ça serait plutôt Joe le taxi. Moi, la chanson qui me rappelle le plus de souvenirs, c'est Un homme et une femme. Aïe, aïe, aïe. Les premières vacances à Cabourg. Il pleuvait toute la journée. Alors, on allait s'enfermer au cinéma. D'ailleurs, ils jouaient le même film depuis 20 ans. Mais c'est vieux tout ça. Maintenant, ce qu'il faut chanter, c'est Bad Dance, Bad Dance. Hector, je croyais cependant vous avoir dit que je venais ici incognito. Certainement, Diva. Pourriez-vous dire à tous ces gens de sortir? Mademoiselle Lindstrass désire absolument rester incognito. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Elle a rendez-vous? Oui, mademoiselle. J'ai rendez-vous dans 4 jours avec mon public et j'aimerais qu'on me laisse tranquille. Hector, Hector, vite, vite, vite! Oh. Fermez les stores, j'ai vu encore me faire passer un journaliste. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais puisque Diva ne veut pas, enfin! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il veut y avoir une projection privée? Mais non! C'est cette dame, Lindstrass, qui veut tout fermer. Oh, madame, il y a une autre chose, vous auriez dû me prévenir. Bonjour, madame, nous vous attendions. Mais vous n'êtes pas le seul, malheureusement. Écoutez, si vous permettez, Hector va faire une petite distribution d'autographes à tous ces gens. Et puis, vous leur demanderez de partir. Oui, c'est-à-dire, ces gens-là ne sont pas des admirateurs, ce sont des patients. Comment ce ne sont pas des admirateurs? Non, bien sûr, évidemment, je suis certain que ces gens-là vous apprécient énormément. Non, je veux dire qu'ils sont aussi ici pour nous. C'est vrai que vous êtes une diva? Je veux bien un autographe, je suis fan de tous les gens connus. Bon, Hector, contentez mademoiselle. Tout de suite, diva, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Et plus on se tait? Sophie, je te présente l'amie de ta maman, madame Lindenstrasse. Sophie, ma femme. Enchantée. Maman m'a dit qu'elle vous enviait beaucoup d'avoir su rester aussi jeune. Je la comprends. C'est la musique qui concerne. Écoutez, je suis ravie de vous rencontrer, mais peut-être pourriez-vous régler mon problème. Je ne peux pas répéter devant tous ces gens. Ah, vous pouvez vous installer dans le salon, vous serez plus tranquille. Très bien, merveilleuse idée, Hector le piano. Vous vous rendez compte? Je suis contrainte de vivre dans le noir, sans ça, je suis harcelée par les paparazzi. Ah, c'est bien, vous serez aussi protégée de notre concierge comme ça. Ah oui, parce que pour répondre les nouvelles, elle va plus vite que Christine O'Krent. Voilà, je crois que maintenant, il ne vous manque plus rien. Non, mais vous savez, je n'ai besoin que de ma voix. Ça, c'est l'avantage d'être cantatrice. On peut se déplacer n'importe où. Bien, nous vous laissons. Dites, fermez bien la porte après vous. Je n'aimerais pas qu'on sache que je suis là. D'accord. Merci. À tout à l'heure. Bon, alors allons-y, Hector. Il
absolument que je te vois. Oh, mais ça va, je suis en super forme. Hector, arrêtez ce piano. Je vous présente Grenelle, mon amie. Je veux que vous la traitiez comme si elle était ma sœur. Mais Diva n'a pas de sœur. Mais Diva... Allez donc nous chercher à boire au lieu de rester planté comme ça. Très bien. Que prendrez-vous, Diva? Ce que vous voudrez, ma chérie. Mmh. Tu sais, il faut absolument que je te remercie. Ta fille et ton chambre ont un sens merveilleux de l'hospitalité. Oh, ben c'est normal. Ils sont médecins, alors l'hôpital, ça les connaît. Hein. Tu sais que j'ai encore une faveur à te demander. Oui? Je vais faire l'émission Sacrée Recherche et on me demande d'inviter ma meilleure amie de lycée. Est-ce que tu veux bien? Écoute, je sais pas si je saurais. Hein. Si, d'autant plus que tu es superbe en ce moment. Ouh, toi, tu as commencé le traitement du docteur Lapêche. J'ai une banane d'enfer, hein, comme on dit. Quoique, de temps en temps, tu sais, c'est un peu fatigant. Hein. L'aérobic, le tennis, la musculation. Mais tu fais pas de relaxation? Si, mais c'est de la relaxation tonique. C'est encore plus fatigant. Mais toi, il faut absolument que tu fasses du yoga. Moi, j'en fais tous les jours, tu vois le résultat. Du moins, ma chérie, en revanche, si tu fais mon illusion, faut que tu t'habilles un petit peu plus jeune et dynamique. Ah, mais ça, y a pas de problème, j'ai plein de tenues dynamiques, tu verras. Mais Hector, c'est pas du tout ce dont j'avais envie. Mais Diva... Mais rapportez-moi tout ça, nous n'avons plus soif. Et vous le laissez circuler librement dans le quartier? Oh, oui, il a pas une tête à faire peur à tout le monde, à part chez vous. Comment ça, à part chez moi? Oui, ici, c'est pire que chez Tati pour entrer. Ils ont même failli fouiller mon réno. Qui vous a fouillé? Votre vigile, il a renversé tout mon cabas, il a même parmi mes légumes en ordre. Mais quel vigile? Devant la porte, dehors. Ah, je vois. Votre diva a dû encore faire une fausse note. Je vous comprends très bien, Marc. Mais moi, j'ai besoin d'un vigile très vigilant. Vous savez, je n'en veux pas du tout, pauvres gens qui viennent vous voir. J'ai moi-même été malade une fois. Oui, je me souviens. Toute la classe était en quarantaine. Qu'est-ce qu'on était en train? Mais il faut se concentrer, Grenelle, surtout la première fois. Bon, allez, respirons. Est-ce que vous pensez aux inconvénients que ça présente pour nos clients? Imaginez... Le pauvre kangourou qui sera obligé de vider sa poche devant tout le monde. Je comprends très très bien, Marc. J'ai moi-même connu un kangourou. Mais vous savez, les journalistes sont tellement indiscrets. Oui, c'est vrai. Mais à ce propos, dès demain, Stéphanie s'occupera du filtrage à la porte. Alors vous pourriez demander à votre serveur d'aller fouiller ailleurs. Ouais. Mais écoutez, c'est bien parce que vous m'êtes sympathique. Mmh. Hey, Hector, respirez-vous. Je peux, Diva. Je peux aussi. Oui, ma chérie. Bien. Eh bien, je vous laisse vous relaxer. Merci beaucoup, Maria. Je vous remercie. Bon courage. Monsieur est trop bon. Comment tu trouves ma tenue pour vendredi prochain? Ça dépend, c'est pour un bal costumé. Mais non, c'est pour l'émission de télévision de Maria Sacrée Recherche. Tu sais là où on invite toutes ses anciennes copines de lycée. Ah, formidable, tout le monde va te reconnaître dans la rue. Oh, oh, quelle bête, oh non, je ne suis que l'invitée vedette de la vedette invitée. Bon, alors fais voir ton costume. C'est bête, non? Oh, oui, oui. T'as pas peur que ça fasse un petit peu trop branché, hein? D'abord, on dit plus branché. Ah. On dit cool fandard, ma chérie. Tu devrais te recycler et prendre des cours de jeûne, toi aussi. Non, ça va, j'en ai pas besoin. Toi non plus, d'ailleurs, t'as pas besoin de tous ces artifices. T'es beaucoup mieux au naturel. Oh non, on voit trop que je suis ta mère. Et alors, c'est déshonorant? Et tu... Non, c'est pas ce que je veux dire, non, mais je manque de tonus. Mais c'est normal que tu ne danses plus comme à 20 ans. Oh, bah, de toute façon, je dansais pas. J'ai jamais eu le sens du rythme, alors. Ouais, enfin, je sais pas si tout ce sport d'un seul coup, c'est bon pour toi. Mais tu vas voir, ça va aller mieux. Maria m'a donné un conseil. Elle, une séance de relaxation par jour, et off, elle fait 10 ans de moins, hein. Maria? Ah! Oh, bah, vous êtes là. Je cherchais partout. On en est au café. Oui, mais moi, j'aurais plutôt besoin d'un somnifère. C'est ça que je venais chercher, d'ailleurs. Ah, vous êtes mal tombée. Je suis contre les médicaments expéditifs. Ben oui, mais j'ai pris tellement d'antistress revitalisant aujourd'hui que j'ai besoin de ça pour me calmer. Oh, mais pourquoi vous prenez tout ça? C'est très mauvais. Oui,
Mais c'est pour faire passer les anti-stress vitamino-tonifiants et les protéines régénératrices anti-rides que je prends tous les jours. Ça va vous faire vieillir prématurément, cette histoire-là. Tant que ce ne sera pas l'âge de la retraite. Ouais, bon. Je vais vous donner quelque chose, mais ça, voilà. J'en prendrai 3 gouttes chaque soir. Mais c'est tout ce que je peux faire pour vous, hein. 3 gouttes. Merci beaucoup, c'est très très gentil. C'est... Et ça, ça, est-ce que ça fait assez jeune? Ah oh, oui. Et puis ça vous va très très bien, hein. C'est... Oh, c'est sympa, décontracte, hein. Ah oui, très. Oui, ben, je cherchais le mot. C'est que ça, hein, là. Quel est le secret de votre étonnante jeunesse? D'où tenez-vous cette incroyable confiance en vous? C'est quoi ce questionnaire? Non, c'est... J'ai fait ça pour me préparer à Sacrée Recherche. Ah, et tu crois qu'ils vont te poser ce genre de questions? Ah, je sais pas, mais je veux pas être prise au dépourvu. Et d'ailleurs, je voulais vous demander si vous pouviez m'aider. Vous voulez vous mettre là-bas? C'est ouais. Gentil. Alors voilà. Marc, vous faites le présentateur. Sophie, tu fais Maria. Ouais. Tiens, tu donnes le questionnaire à Marc. Là. Donne le questionnaire à Marc. Ouais. Donc, je m'adresse à Maria. Et Maria, est-ce que l'influence de Grenelle... Pardon, excusez-moi. Je recommence. Est-ce que l'influence de Grenelle Martignac a beaucoup compté dans votre carrière? Oui, bien sûr. Ça a compté, comme tous les gens que je fréquentais à cette époque. Ah non, 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 non. Non, non, ça, parce que j'ai écrit aussi les réponses de Maria. Non, c'est pas ça, c'est l'autre papier. Là, voilà. Ah bon, d'accord. Bon, alors je recommence. Chère Maria, est-ce que l'influence de Grenelle Martignac a beaucoup compté dans votre carrière? Oui, tout à fait. Elle a été le détonateur de ma vocation. Sans elle, je n'aurais jamais fait de chant. J'aurais certainement pris une autre voie. Tu vas un peu fort, quand même, non? Oh non, il faut romancer pour faire de l'audience, tu sais. Oui. Et vous, Grenelle, si vous n'aviez pas rencontré Edmond, seriez-vous devenue aussi une grande cantatrice? Oh non. J'avais tout de même pas le talent de Maria. J'aurais certainement été une petite vedette, mais pas une véritable diva. Et une petite vedette, ça n'est pas rien. Pourriez-vous faire une démonstration de votre talent à nos téléspectateurs? Oh, c'est que vous me prenez au dépourvu. J'ai rien préparé. Je n'ai rien préparé, Ininé. Ah, pardon. Mais oh, s'il vous plaît, je suis sûr que vous avez une très jolie voix. Puisque vous insistez. Là. Mais oh. Mais je peux savoir ce que vous. Madame Lindenstrasse, depuis combien de temps vous cachez-vous ici? Ce n'est pas Madame Lindenstrasse, c'est ma mère. Quoi? Madame Lindenstrasse a une fille! Des photos! Mais puisqu'on vous dit qu'elle n'a pas de fille, enfin... Oh. Oui, mais ce coup-là, on me l'a déjà fait. Un opéra, j'y connais peut-être rien, mais pour les scoops, je suis loin. Sur la place de Paris, je suis le seul à avoir trouvé sa planque. Une fille, c'était dans ça que vous aviez à nous cacher, Madame Lindenstrasse. Mais ce n'est pas Madame Lindenstrasse. D'ailleurs, on ne sait même pas si elle a des enfants, alors... Est-ce votre fille unique? Écoutez, vous voyez pas que vous me dérangez? J'étais tranquillement en train de préparer mon émission de télévision et vous me déconcentrez. Une dernière question sur le père de votre fille. Mais enfin, vous n'avez pas compris ce qu'on vous a dit? Oh, bon. Bon, d'accord. Hey, on file au labo. Oh, c'est journaliste. Mais bien sûr. Maria, c'est une copine maintenant. Lindenstrasse. Comment ça, combien? Mais non, elle est pas au top 50. Oui. Oh, bouge pas. Il y a l'éléphant man qui vient d'entrer. Mais Maria, qu'est-ce qui vous arrive? Ma pauvre Stéphanie, comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Montrez-lui le journal. Oh. Le journal. Voilà. Mon Dieu. Oh, Madame Righini dans Paris Scoop. C'est vrai, c'est votre fille. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous avez fait de Maria? Grenelle, ma chérie, si tu savais. Oh! C'est moi qui étais venue interviewer, c'est Sophie qui est sur la photo, ça alors! Quoi? C'est tout ce que tu trouves à dire alors que ma carrière est brisée? Oh, tout ça, ils sont pas rusés, ils ont tout compris de travers! Mais vous ne vous inquiétez pas, Maria, vous avez qu'à démentir l'article. J'ai essayé, mais ils ne m'ont pas cru! Il faut absolument que Sophie aille les voir aussi! Bon, bah, je l'appelle tout de suite. Ah. Tu crois quand même pas ce qui est écrit?
je peux te garantir que je suis la mère de Sophie. Oh, Maria, j'aurais jamais pensé qu'ils iraient jusque-là. Je vais appeler immédiatement le journal. Oui, Stéphanie, c'est pour vous, c'est une Valentine au bout du fil. Non, non, c'est Christine, une copine. Oui, ben... Allô? Je dois raccrocher. Quoi? Docteur, vous n'êtes pas la seule fille de Maria. Comment ça? Ben, c'est Christine qui vient d'apprendre à la radio que la véritable fille de Maria vient de démentir l'article. Ah! Oh! C'était une erreur de jeunesse. Pendant 15 ans, elle a refusé de me voir, disant que je ne m'étais jamais occupé d'elle. Et aujourd'hui, elle revendique le fait d'être ma fille. Ma carrière est finie. Tiffany n'a pas de fille. Mais si, puisqu'on vous le dit. Mais si, puisqu'on vous le dit. Mais d'après son interview, on a l'impression qu'elle s'est réconciliée. Mais elle n'avait pas besoin de le faire en public. Mais elle n'avait pas besoin de... Mais taisez-vous, ton recteur, vous voyez bien que je peux parler. Mais tu vas venir avec moi chez le docteur Lapèche et on oubliera tout. Mais je ne pense pas qu'il me redonnera le tonus de mes 20 ans. Mais non, non, ce qu'il me faut, c'est de bonnes doses de comprimés d'antichoc psychologiques. Il y a mieux à faire, je crois. Vous allez rester ici quelques jours et je vous promets que pour votre concert, vous serez dans une forme... Géniale! Dément! Alors, vous allez mieux, Maria? Doucement. Sophie ne veut pas me donner de remède plus efficace. N'en auriez pas, vous? Parce qu'Hector a des réactions très lentes à l'homéopathie. Mais c'est justement le but recherché. Mais vous verrez, à la longue, vous serez gagnante. Puis il ne faut pas vous mettre dans des états pareils. C'est pas parce que vos admirateurs ont appris que vous aviez une fille que c'est terrible à ce point. Mais vous ne vous rendez pas compte. On m'appelait la petite fée de l'opéra. Une petite fée avec une fille de 30 ans, c'est plus possible. Oui, à moins d'avoir eu avec un coup de baguette magique. Mais vous n'allez pas la renier quand même. Oh ben non, bien sûr. Mais jamais mon public ne comprendra. Pour lui, j'étais un être évanescent et... Justement, ce serait pas inutile de profiter de cette nouvelle consistance pour étoffer votre répertoire. Vous croyez? Moi, j'en suis sûr. Vous avez l'âge idéal pour jouer les plus grands rôles de l'opéra. Il faut en profiter. Hey. Et puis, si Sophie vous a dit de prendre ce médicament, il faut le prendre. Oui. Si je prenais tout le flacon, je guérirais pas plus vite. Je ne crois pas, non. Bien, je vous laisse vous reposer. Au revoir. Hector! File les vite à la pharmacie. Achetez une grosse boîte de comprimés d'énergie. Non, j'y vais. Traître. Non. Tu vas pas à ton cours de fitness? Ah non, fini la jeunesse. Tu as enfin atteint l'âge de raison. Mais j'ai pas à leur donner une raison. À mon âge, je peux sauter mes cours. Ah, tu vois, ça a des avantages. D'ailleurs, je vais arrêter le traitement. Rien qu'à l'idée de refaire tout le chemin à l'envers, ça me fatigue d'avance. T'as bien raison. Surtout que ton docteur Lapèche, il ne fonctionne pas qu'au jus de fruits. T'as vu Maria? Elle a suivi ses conseils. Hein? Ben, elle a mal fou à se débarrasser de ses drogues. Oui, comment elle s'est écroulée. Hein? Oh là là, j'aurais pas aimé te voir comme ça. Hein? Comme tu es gentille, ma chérie. Finalement, toutes ces longues années où je t'ai regardé grandir ne sont pas perdues. Oui. Doucement, hein. Faut pas me vieillir trop quand même. Encore vous. Ah oui, est-ce que si je veux la vérité? Vous m'avez raconté une de ces salades la dernière fois, j'ai failli me faire virer. Moi, le roi du scoop. Écoutez, c'est vous qui avez décidé. Oui, celle-là aussi, on me l'a déjà faite. Hein? Alors, où est votre vraie mère? Elle est là-bas. Enfin, tout le monde sait que c'est ma mère, ce sera pas un scoop. Oui, non, mais c'est pas le problème. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est satisfaire Madame Lindenstrasse pour me faire pardonner. Mais comme si c'était moi qui avais fait une faute. Vous pensez pas qu'elle préférait que vous l'interviewiez elle-même? Ben non. Elle veut un article sur Madame Martignac, qui est sa plus grande amie d'enfance et qui l'a tiré des griffes du docteur Lapèche. Enfin, je veux pas trop bien comprendre. Bon, eh bien, je vais aller voir si ma mère veut vous parler. Allez, maman, ils t'attendent. Oh, j'ai jamais su parler à un micro. Mais enfin, c'est pas pour une radio, c'est pour un journal, hein? Et puis si vous faites pas ça, vous arriverez jamais à faire sacrée recherche. Mais de toute façon, j'ai refusé, alors. Oh, t'as bien appris ta leçon. Oui, mais j'ai toujours eu peur aux examens. C'est fini de faire la timide, oui. Vous la vouliez, cette photo, dans le journal? Bon, allez. Allez. Venez, elle est ici. Madame Martignac, c'est formidable, vous paraissez aussi jeune et énergique que Maria. Quel est votre secret?
ma fille. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.